La croyance en l'invisible, la croyance aux choses futures dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose demandée aux croyants. C'est même la première caractéristique par laquelle a qualifié Allah subhanahu wa ta'ala les croyants et les personnes pieuses lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala dans le début de surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم. Ce livre dont il n'y a aucun doute sur sa véracité. هدى للمتقين, qui est une guidée pour les personnes pieuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les caractéristiques de ces personnes pieuses en disant الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Il y a beaucoup de choses invisibles dont nous a informé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Et parmi ces choses invisible, il y a Ad-Dajjal, appelé aussi Al-Masih Ad-Dajjal, le faux messie ou appelé aussi l'antéchrist. De croire en l'antéchrist, c'est une obligation pour chacun des musulmans. Et c'est une conséquence directe de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Car de croire et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, cela implique obligatoirement de croire et de rendre véridique et d'attester comme vrai tout ce qu'il nous a informé sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la tentation de Dajjal, c'est une tentation terrible. C'est même la plus terrible que connaîtra l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique rapporté par un musulman. Selon Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma bayna khalqi Adam wa qiyami sa'ah amrun akbar » Il n'y a pas une chose plus grande et plus immense et plus terrible depuis la création de Adam jusqu'à l'apparition de l'heure que la tentation de Dajjal, que la tentation du faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un autre hadith, le hadith de Abu Umam al-Zahiri, rapporté par Muslim et présent dans Sahih al-Jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une tentation sur terre depuis qu'Allah a créé Adam et sa progéniture plus grande et plus immense que Dajjal. » Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé de prophète sans que ce prophète n'ait mis en garde sa communauté contre Dajjal. Et le prophète alayhi sallatou wa sallam a dit wa ana akhirul anbiya, et je suis le dernier des prophètes et vous êtes la dernière des communautés. Wa huwa kharijun fikum la mahala, et il sortira parmi vous sans aucun doute. Et le prophète alayhi sallatou wa sallam nous informe aussi dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari où il dit alayhi sallatou wa sallam inni la unzirkumur, je vous mets en garde contre lui. Wa ma min nabi إلا وأنذر قومه, il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté et son peuple contre Ad-Dajjal. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui qui a beaucoup de compassion envers sa communauté, lui qui veut le bien pour sa communauté, nous a dit سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه, et je vais vous dire des paroles qu'aucun prophète avant moi n'a dit à son peuple. وإن إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور, il est borgne, en parlant de l'antéchrist, il est borgne et votre Seigneur Allah n'est pas borgne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde aussi en disant si Dajjal sort alors que je suis parmi vous, je me chargerai de témoigner contre lui à votre place. Mais s'il sort alors que je ne suis pas là, alors chacun devra témoigner pour lui-même. Wallahu khalifati ala kulli muslim, et Allah subhanahu wa ta'ala aidera et donnera de l'aide à chacun des musulmans. Et s'il suffit d'un hadith pour nous montrer l'immense tentation de Dajjal, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné à la fin de la prière, lorsque l'on termine le dernier tashahoud, de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre quatre choses: contre le feu de l'enfer, contre les tentations de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre le mal de l'Messie Dajjal, contre le mal de l'antéchrist. Et certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont même dit que cela était obligatoire à faire, à dire pendant la prière. À quelle époque l'antéchrist sortira-t-il? À quelle époque est-ce qu'il apparaîtra? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed que Ad-Dajjal sortira pendant que la religion sera faible. Fi khiffatin ou khaffatin min ad-din. Et les savants ont dit khaffatin min ad-din, c'est une faiblesse de la religion et des adeptes de la religion également. Wa idbaru min al-ilm. Et il sortira également dans une époque où les gens auront tourné le dos à la science.
Parmi aussi, ce qui caractérise le temps et le moment dans lequel l'Antéchrist sortira, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est-à-dire que les gens ne penseront plus à lui et ne se rappelleront plus de cet Antéchrist. Comme il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Al-Haythami, rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La yakhruj al-dajjal, hatta yadhhal al-nas an dhikri » ne sortira ou n'apparaîtra le faux messie que lorsque les gens oublieront de se rappeler de lui. Et lorsque les imams délaisseront le rappel de cet antéchrist au-dessus des manabir, ce qui caractérise également le moment où l'antéchrist apparaîtra, c'est ce qu'a apporté Cheikh al-Albani rahimahullah et ce qu'il a authentifié dans sa silsila sahiha, où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsque l'homme sera le matin croyant et le soir sera mécréant, les gens seront alors divisés en deux groupes, un groupe qui aura la foi sans connaître l'hypocrisie et une autre partie qui sera hypocrite sans connaître la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque vous verrez cela, attendez alors le faux messie le jour même ou bien alors le lendemain. Parmi aussi les choses qui caractérisent la sortie de Dajjal, c'est l'apparition de 30 Dajjalun, de 30 faux messies dont nous a informé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentifié par Cheikh al-Albani et rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'apparaîtra pas jusqu'à l'apparition de Dajjalun kazzaboun, jusqu'à l'apparition de charlatans, de faux messies et qui seront menteurs, kharibun min thalathin, qui seront au nombre de 30, kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, et chacun d'eux attestera qu'il est l'envoyé d'Allah. Ce qui caractérisera aussi l'époque dans laquelle l'antéchrist sortira, c'est la grande famine, la grosse famine dont nous a informé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami', où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa inna qabla khuruj ad-dajjal thalath sanawat, et avant la sortie de Dajjal, de l'antéchrist, il y aura 3 années. La première année, il y aura 3 années de famine, de grande famine. La première année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel de s'abstenir de la pluie, de son tiers de la pluie, et il ordonnera à la terre de s'abstenir de son tiers de récolte. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis la seconde année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel de s'abstenir des 2/3 de sa pluie, et ordonnera à la terre de s'abstenir des 2/3 de ses récoltes. Et la 3e année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel de s'abstenir de toute la pluie. Et le prophète alayhi sallam a dit, fa yaqturu qatra, aucune goutte ne descendra du ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à la terre de ne plus donner de récolte. Et le prophète alayhi sallam a dit, fa la tanbutu khadra, et rien ne sortira de la terre. Et le prophète alayhi sallam a dit, fa la tabqa zatu zilfin illa halakat, il ne restera pas d'animaux qui ont les sabots fendus, autrement les bovins et les ovins, sans qu'elles ne périssent de famine. Et les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de quoi se nourriront les gens en l'envoyé d'Allah? Il a répondu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد يجرى ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, leur nourriture seront le tahlil, de dire la ilaha illallah, والتكبير, de dire Allahu Akbar, والتسبيح, de dire Subhanallah, والتحميد, de dire Alhamdulillah, ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام, et cela circulera dans leur corps comme la nourriture, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est rapporté dans la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui nous montre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala donne de la force au corps, une force physique, comme il donne une force morale, et qu'il augmente la foi.